Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Nejma Online. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo beauté. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée et que vous êtes prêts à la poursuivre en ma compagnie pour parler aujourd'hui de beauté, mais plus précisément de maquillage. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de maquillage. Enfin, j'en ai parlé un petit peu sur mon blog, je vous ai présenté quelques coups de cœur, quelques produits que j'ai utilisés au cours de ces derniers mois. Ça fait quand même plus de 6 mois je crois, donc voilà, là aujourd'hui je vais vous parler principalement de mes tops, des produits de maquillage que je préfère, de ceux qui je pense sublimeront ma peau cet été, mon bronzage, enfin l'ensemble de mon maquillage, en tout cas c'est ceux que je préfère. Voilà, donc sans plus tarder je commence par ma CC crème, CC crème, CC crème, color control cream quoi, qui vient de The Face Shop. J'en ai parlé sur mon blog. Je vous l'ai présenté sur mon blog, donc je vais en parler très rapidement. Je l'aime beaucoup, pourquoi? Parce qu'elle illumine le teint, elle lisse les traits et elle floute aussi les pores, donc elle est parfaite. Ensuite, donc je passe à mon fond de teint. Là, c'est une question qui m'a été posée très souvent. Quel fond de teint j'utilise? Alors j'en ai utilisé énormément au cours de ces derniers mois. Enfin énormément, non, 3-4 en tout cas. Donc j'en ai utilisé pas mal quand même, mais je suis partie... principalement sur ce fond de teint qui est le Rich Liquid Foundation, donc c'est un fond de teint de chez Ilamasqua, encore et toujours cette marque que j'affectionne énormément, que j'aime beaucoup. Il est top pour sa couleur, pour sa couvrance, pour tout un tas de raisons, donc je vous le recommande fortement si vraiment vous êtes à la recherche du teint parfait. Voilà, donc le fond de teint Ilamasqua, le Rich Liquid Foundation, désolé pour qui est pourri, c'est pas grave. J'utilise alors le Lumi Magic, le Touche Magique à corps parfait de L'Oréal, donc il est bien, mais en fait si je l'utilise, parce que j'ai d'autres anti-cernes que je préfère, mais en fait si je vous en parle c'est parce que il s'associe très bien avec le fond de teint Ilamasqua qui a une texture plus épaisse. D'ailleurs je reviens, j'ai oublié de vous le dire, mais le fond de teint Ilamasqua, je le travaille au doigt en principe, j'applique. Enfin, ça dépend, j'applique au doigt ou au pinceau, ça dépend. Mais le fond de teint Ilamasqua, je préfère l'appliquer au doigt parce que c'est un fond de teint qui a besoin d'être travaillé. Donc j'associe cet anti-cerne, pourquoi? Parce que la texture est plus fluide, donc il se marie bien avec le fond de teint et ça fait pas trop épais. C'est plutôt, ça reste léger et ça reste très fluide. Voilà pourquoi j'utilise cet anti-cerne. Donc le teint, j'utilise alors cette poudre, c'est une poudre... c'est un fond de teint compact poudre illuminateur, donc une poudre illuminatrice. La teinte que j'utilise est Natural Tat 425. Pourquoi j'utilise cette poudre compacte? J'utilise ce fond de teint pour la zone centrale, pour la bonne raison que j'ai besoin de contrôler la brillance. Au fil des heures, c'est possible que je commence à briller, donc ce fond de teint, cette poudre est parfaite, car déjà d'une, elle donne vraiment un effet naturel et net de la peau, mais elle donne aussi un éclat, une lumière au niveau de la zone centrale. J'utilise vraiment au niveau de la zone centrale, la noter si vous préférez, tac. Donc voilà, celle-ci est top, c'est Bobbi Brown. Le packaging est sympa, hein, classique. Avant j'utilisais une poudre de chez Chanel, mais j'étais un peu plus blanche, donc ça me faisait un teint plutôt diaphane qui est aussi très bien. Mais c'est vrai que celle-ci, je l'ai adoptée depuis quelques temps et je l'aime beaucoup. Et ce qui est bien, ce qui est bon à savoir, c'est qu'il existe une multitude de teintes, donc je pense qu'ils pourront convenir à toutes les ethnies. Donc ça c'est intéressant, en général on n'a pas toujours, on ne trouve pas toujours sa teinte, donc celle-ci est top parce qu'il existe vraiment beaucoup de nuances. Voilà, ensuite j'utilise encore une poudre compacte, un fond de teint compact. Cette fois-ci, c'est une teinte beaucoup plus épicée, c'est un 98. C'est la poudre tenue extrême Double Wear de chez Estée Lauder, marque que j'aime énormément. Et cette poudre, en fait, je l'utilise principalement sur la zone extérieure. Là encore, pour matifier, pour contrôler la brillance tout au long de la journée, mais surtout... elle a la même qualité que la poudre de chez Bobbi Brown, mais cette teinte est parfaite car elle joue un rôle d'intermédiaire entre la peau de mon corps, la nuance, enfin j'ai un teint plutôt doré au niveau du corps et un teint un peu plus clair au niveau du visage. Je bronze moins rapidement, mon visage bronze moins rapidement, je pense comme beaucoup de personnes. Donc ce que j'aime, c'est vraiment, je vais dans les extrêmes, je suis assez perfectionniste, donc ce que j'aime c'est vraiment...
avoir un teint unifié qui se fonde parfaitement à la fois à l'ensemble en fait, tout simplement. J'aime bien, voilà, c'est l'intermédiaire, ça unifie mon teint et ça joue un rôle d'intermédiaire entre mon bronzage et la teinte de mon visage, la carnation de mon visage, voilà. Donc je l'aime beaucoup et je la rachèterai parce qu'elle est très très bonne. Je reviens sur deux coups de cœur concernant le teint. Donc là cette fois-ci, bon, on approche, hein, on est dans la saison estivale, il commence à faire beau, bon, moi ça fait un moment, voilà, je suis au soleil donc ça va. C'est pour ça que c'est très bien, j'ai pu tester plein de produits et je pense que j'ai fait une bonne sélection pour cet été. En tout cas moi c'est ce que je vais utiliser. Et donc voilà, tout récemment j'ai acquis... une poudre bronzante, donc un bronzer, une poudre solaire, enfin on les appelle de différents noms, les terracotta, etc. etc. J'ai acheté très très souvent la terracotta de chez Guerlain qui est très bien, mais qui me graisse un peu la peau. Enfin ça dépend laquelle, hein. Mais bon, j'avais envie de changer, j'avais vraiment envie de quelque chose d'autre. Et j'ai utilisé aussi une poudre bronzante de chez Saga, de la marque S. Je crois qu'il coûte quelques euros, rien du tout. Donc petit budget, bon plan, ça c'est bon à savoir. Je vais la racheter quand je rentrerai parce que celle-ci je l'aime énormément aussi. Et il existe deux teintes, dorées, cuivrées, plusieurs teintes. J'ai un article à ce sujet sur mon blog, donc celles qui sont à la recherche de bons plans, je vous encourage à foncer, vous en procurer parce qu'elles sont vraiment très bien. Je sais pas si elles sont encore, moi j'irai voir. En attendant, là je me suis fait plaisir, j'ai pris donc la poudre de chez Giorgio Armani et c'est une teinte ambre. Voilà, je pense que vous voyez bien la teinte. C'est une teinte ambre, c'est la teinte 200 et franchement j'ai rien à dire, il est ultra classe. Vraiment ça magnifie le teint, ça sublime le teint, j'utilise principalement en contouring pour donner un teint hâlé lumineux, ensoleillé, bronzé. Ensuite, encore, oui, j'ai oublié de parler du blush. Alors, j'ai utilisé plein de blushs aussi, mais mon blush coup de cœur que je dois impérativement vous présenter, c'est le blush, là encore, de chez Ilamasqua. C'est la teinte Clover, donc c'est un teint blush. C'est une teinte, on va dire, corail pêche, que j'ai bien utilisé, comme vous pouvez le voir. Et qui est génial, qui est magnifique, je crois que c'est un des plus beaux corail pêche que j'ai pu utiliser parce qu'il est mat. Là, c'est ce qui fait la différence. Pas de paillettes, pas de glitter, pas de strass, enfin vraiment de quelque chose de mat, un résultat matifié, poudré et très pigmenté, donc une couleur très soutenue, mais très chic. Moi, j'aime beaucoup. Vraiment, j'adore cette poudre, elle sent très bon, elle sent la vanille, elle est soyeuse, elle est agréable d'utiliser.